message de compliments et de soutien des ressortissants du territoire de Lubero à Goma au gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence Monsieur Nzanzu Kasivita Karli. Nous, ressortissants du territoire de Lubero, venus participer aux élections des sénateurs et du gouverneur de province, sommes épris de joie de la victoire brillante de l'honorable Nzanzu Kasivita Karli comme gouverneur de la province du Nord Kivu et les félicitons grandement pour son élection ayant retenu l'attention de la population du territoire, en particulier de Mangurejipa. Nous adressons également nos sincères compliments aux honorables députés professions élus du peuple pour avoir opéré un choix plus que judicieux dont la vision programme s'est articulée sur le secteur ou domaine de la vie, mais aussi son expérience, sa maîtrise des problèmes des entités, son esprit de cohésion communautaire, son humilité et sa sagesse appréhendée dans son vécu quotidien, voire dans la gestion des affaires publiques. On retient aussi que le gouverneur de province, son Excellence Nzanzu Kasivita Karli, bénéficie des soutiens indéfectibles de plusieurs notables du Nord Kivu, notamment ses prédécesseurs, l'honorable Julien Palou Kahondia, l'honorable Eugène Serefou Lingaya Baseka, mais également de celui du musée Antipas Mboussa Nyamwis et d'autres. Preuve de force et de cohésion intercommunautaire, gage de la stabilité de notre province du Nord Kivu. C'est ainsi que nous nous engageons solennellement à accompagner le gouverneur de notre province pour la matérialisation de ce programme, particulièrement dans les domaines axés liés à la sécurité, l'agriculture, les infrastructures, problèmes cruciaux et urgents qui gangrènent les territoires de Lubero. Il sied de rappeler que notre entité est caractérisée par les tueries répétitives, les kidnappings monnayés et prémédités, les braquages, les séquestrations, qu'on ne peut élaguer qu'avec les affaires du milieu. De même, le domaine agricole devra être valorisé par la gestion pacifique des conflits fonciers, l'appui des techniciens agronomes est octroyé et marché viable de vivre à côté de la conservation communautaire des écosystèmes fauniques et forestiques d'intérêt général et mondial, tels que le parc de Virunga à l'est de notre territoire, le parc de la Maïko à l'ouest et la réserve naturelle de la Taïna à Kasuo. Dans la même perspective, la réhabilitation des axes routiers tels que les axes Mangurejipa, l'axe Mwenye, l'axe Bunyatenge, l'axe Kasuo et Buyinga dans la finalité de désenclaver la partie ouest des territoires de Lubero. Nous attendons de beau cœur l'accomplissement harmonieux du programme de l'honorable Nzanzu Kasivita sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À définitive, nous lui souhaitons plein succès dans son mandat et lui promettons notre soutien et notre accompagnement pour le bonheur de ses administrés. Fait à Goma le 2 juin 2019, honorable Katembo Makata Jacques et les autres signataires.